Me glisser dans ce dont tu rêvais, espérant, c'est certain, voir onduler tes reins. Si cela arrivait, j'aimerais ton paradis pour pouvoir y mourir, mais rien que d'y penser, tes seins me font rougir. Voyez-vous, mesdames et messieurs, la drague. La drague, c'est tout un art que l'on peut comparer à un jeu de billard. Au départ, t'as les boules, et t'as que la main, et tu dois, pour gagner, trouver le bon chemin. Attention, je ne parle pas de trous. Car, entendons-nous bien, mesdames et messieurs, je suis français et non américain. Avez-vous remarqué que leurs queues sont plus petites? À croire que la longueur, ça dépend où t'habites. Eux foncent pile en tête et cherchent un numéro 8, espérant par ce fait décrocher le gros lot. Ils vont même quelquefois jusque te l'annoncer, 8, et sont vraiment très fiers de l'avoir pénétré. Quelle indélicatesse, non vraiment, quel goujat. Je préfère laisser ça au buveur de coca. La drague, c'est pas du hamburger. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. La drague dont je parle, c'est du Château Margaux. Avec un camembert ou un vieux Livaro, un truc qui reste en bouche et qui te fait rêver. Même lorsque tu te couches, il te faut la toucher, mais sans trop l'éloigner. Pour ça, il faut l'effleurer, voire même la caresser. Si tu fais de l'effet avec un petit coup bas, tu pourras constater qu'elle reviendra vers toi. Coup bas ou coup piqué. Et là, elle va bien sûr comprendre que tu vas la sauter. Mais, quand l'Américain de Bâle dira, mais comment faites-vous ça? Je mange des escargots et des cuisses de grenouche, ça rallonge les antennes et ça donne l'air de couille. Tu peux, si tu le veux, être un peu plus vicieux. Ce qui va te permettre d'en mettre plein les yeux. Elle est là, devant toi, mais tu pars en arrière. Et si t'as bien brandé, tu la prends par derrière. Tu vas, par son détour, étonner tes copains et pousser au suicide tous les Américains. Voyez-vous, mesdames et messieurs, la drague, c'est tout un art, mais ce n'est surtout pas du billard.